papier. Alors, c'était pas vraiment un avion en papier, c'est un deltaplane en papier qui peut voler normalement de façon permanente grâce à nos mains ou grâce à un morceau de plastique qui peut le permettre d'avancer grâce à des mouvements d'air, etc. sur l'avion. Et donc, les objectifs, c'est à la fois de les faire manipuler, de leur faire construire, leur faire essayer, tâtonner, parce que c'est aussi une partie scientifique, c'est de tâtonner, c'est d'essayer, c'est de faire voir ce qui va pas, essayer de le modifier. Et les faire travailler en groupe, les faire travailler tout seul, c'est plein de petits objectifs pédagogiques. Parce que si vous faites trop ou pas assez, ça va pas marcher. Donc on va passer sur les lignes en pointillés. Hop, seulement deux fois. Donc on se met sur la ligne en pointillé avec la règle et on passe une fois, deux fois. Et on fait ça avec toutes les lignes en pointillé. Une fois, deux fois. On a découpé le patron, après on l'a mis sur une page d'annuaire et puis on a mis du scotch sur les quatre ongles à peu près et après on l'a découpé. Ensuite on va plier l'arrière de l'avion. Donc comment on va faire? On va prendre notre aile, on va mettre pile poil sur la ligne. Hop, et qu'on va relever. Là, tu mets là, et tu mets comme ça. Tu mets la règle ? Non, mais je fais ça. Il faut que tu déplies ça, que tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Comme ça. Regarde. Oh, tu regardes ? Mais attends, mais il y a les mains qui est grand, là. Oui, bah, je te le fais, c'est bon. Et tu fais ça, et tu fais ça. Ah bon, j'ai pas fait ça. Mais je te laisse faire la... D'accord. Mais après, tu la déplies un peu. Oui. Les pliages. Et puis, on a rajouté une queue. Et pourquoi il faut rajouter une queue? Parce que c'est pour lui donner du poids, sinon il va cracher. Encore là. À partir de maintenant, il faut tenir au milieu. Voilà, comme ça. Comment elle passe? Où? Là, je vais vérifier les angles. Oh, le petit trou café. Elle vanne ou c'est écrit? Elle vanne un peu. Pareil. Voilà. Tu coupes le rond sur la ligne. Mais il enlève la partie. Je enlève le blanc. Oh, c'est parti. Hey, c'est pas encore le petit... Ou alors c'est moi qui me suis trompée. Alors les grosses difficultés, bah, c'est déjà... Une des difficultés, c'est d'attendre tout le monde, parce que tout le monde n'avance pas à la même allure. On n'a pas du matériel, tout le matériel pour tous les enfants, donc ils doivent des fois attendre, etc. Donc ça, c'est une des petites difficultés, on va dire, de patience. La deuxième difficulté, on va dire, c'est sur la précision, parce que c'est un travail vraiment précis pour pouvoir réussir à faire planer notre deltaplane en papier. Donc ça a été vraiment de faire des pliages parfaits, des angles à respecter de 20 degrés, etc. Donc ça a été les petites difficultés. Mais après, nous, on a été là pour les aider et en fin de compte, leur avion a presque volé. Mais on va dire l'objectif de la séance, c'était vraiment de leur permettre d'essayer une première fois avec à la fin une possibilité d'échec, mais ils pouvaient repartir chez eux. Ils sont repartis chez eux avec tout le matériel pour recommencer. Comme ça, ils pourront réessayer encore une fois chez eux, essayer de faire des petits arrangements pour enfin arriver à un deltaplane. Alors, c'est pas facile à piloter. Du premier coup, on n'y arrive pas. Même des fois, du dixième coup, on n'y arrive pas. Donc, on le lâche et on avance. Oh, wow. Oh. Oh, c'est bien. Oh, allez. Voilà, tu peux faire comme ça. Super, ouais.